Aujourd'hui, nous sommes au début de l'année 2010. Nous inaugurons ce tout nouvel accès à la gare dans un espace moderne, en plein cœur du tout nouveau quartier d'affaires de Clermarais. Et nous célébrons aussi la rénovation de la façade, sans aucun doute la plus importante depuis la construction de la gare il y a 150 ans. Avec ces dernières grandes opérations, représentant un investissement de 3,5 millions d'euros, la gare s'ancre réellement dans la modernité. Dans les prochaines semaines, débuteront les travaux d'aménagement liés à l'arrivée du tramway sur le parvis. Ces aménagements vont faire du parvis de la gare un véritable espace urbain qui reliera encore mieux la gare au cœur de la ville et qui constituera un trait d'union entre le centre historique et le nouveau quartier de Clermarais. Ce qui s'est passé à Reims depuis 5 ans est tout à fait emblématique de ce que la SNCF veut faire pour les gares, pour ces gares, avec l'ensemble des partenaires, les agglomérations, les villes et bien sûr les régions qui portent avec elles toute l'ambition que l'on peut avoir autour du transport ferroviaire, autour des gares comme pôle d'échange et pôle de vie dans les territoires. Et ça, je crois que ça n'a été possible que parce que ce projet a été pensé, réfléchi, discuté, élaboré, financé dans sa dimension urbaine large. Et c'est vraiment très exemplaire, emblématique de ce que nous devons faire tous ensemble autour de ces pôles d'échange pour accélérer ce renouveau du transport collectif, ce renouveau de la mobilité durable qui est l'un des grands enjeux sociaux et économiques des prochaines années devant nous. Invest in Reims.